en union avec des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins, avec les êtres vivants devant le trône, que s'élève la louange en l'honneur du roi de gloire, créateur du ciel et de la terre. Les bras sans tes bros, sagadablo, l'ikete te bro, santa kadada, l'ikarama sura la vie, l'iramama sans les bros, chante, guide de dedo, santé que bro, la rama sura de côté la gauche, la rama du salade, que de l'œil sans la vie. Shalom, shalom, shalom. Je suis avec Marie-Pascale Achia sur le site de Achia Land, que nous avons appelé la cité de l'exaucement. Donc, ce site qui est plus ou moins déployé sur 5 hectares à peu près. Et dans les heures qui viennent, des travaux vont être faits sur cette plateforme-là pour accueillir, dans un premier temps, la Reine de la Liberté. Donc la Reine de la Liberté va être déplacée pour être posée ici, sur tout ce terrain-là, qui fait plus de 2 hectares jusqu'au fond là-bas. C'est pourquoi nous vous invitons, votre papa vous invite à nous aider à faire de ce lieu qui est chez nous, qui est chez vous. Et là, en ce lieu-là, vous allez comprendre que même les retraites peuvent être. On peut même, comme on le fait toujours, si nous nourrissons les gens gratuitement, si nous soignons les gens gratuitement, si nous avons les infrastructures, nous pouvons même faire souvent des retraites gratuites. Mais actuellement, nous sommes obligés de louer des maisons, nous sommes obligés de mettre de la climatisation, de mettre tous les moyens qu'il faut. Et vous savez les prix que coûtent ces maisons dans les quartiers chers, comme la 8e tranche, la 7e tranche, où les loyers sont exponentiels. Mais ici, je veux que toi qui me suis puisse dire à quelqu'un autour de toi, papa dit ici, là, c'est chez nous. Si tu es, on t'a même délogé de ta maison, on peut venir prier ici pendant une semaine, le temps de te reloger. C'est vraiment notre maison. N'oublie pas, nous sommes la famille des peuples. Que Dieu vous bénisse. Dieu puissant. Dieu. Nous sommes à Chialand, au travail. Que Dieu soit glorifié. Nous mettons la main à la pâte avec tous nos frères et sœurs qui nous aident à terminer ce chantier à la gloire de Dieu. Nous comptons sur vous, pour tous qui pouvez venir nous aider, prêtez main forte, vous tous qui avez des compétences, qui avez des talents, qui savez faire des choses, menuisiers, maçons, plombiers, électriciens et autres,
vous tous qui sentez que vous avez un appel à la vocation des dieux, des délocs de Dieu, je vous attends sur ce chantier-là pour nous aider, pour venir travailler avec nous. Peut-être aussi que vous n'avez pas ce talent, vous n'avez pas cette capacité, cette habilité à pouvoir faire ce type de travail, qui est un travail important, un travail exigeant, qui est un travail du bâtisseur, comme vous le voyez. Mais vous pouvez envoyer votre sac de ciment, votre chargement de gravier, votre chargement de sable. Tout cela glorifiera Dieu, nous aidera à pouvoir apporter cette maison pour vous accueillir et pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au travail, je vous attends. Accueillir avec vos familles, avec tous les gens de chez vous, que vraiment Dieu vous bénisse. Alors nous sommes dans le coulage du chaînage haut, dont les frères et sœurs sont déjà à la tâche. Vous allez rejoindre pour essayer de travailler avec eux, donc de travailler aussi pour toi. De gravier, on a besoin de matériel de travail, venez nous aider. Dès à présent, envoyez vos contributions sur le compte suivant GT Bank Betsael International, numéro CI 16 301 20 20 00 00 01 90 89 175. Cette opération est possible par virement bancaire, dépôt chèque, dépôt espèce ou via World Remit. Vous pouvez procéder également par un transfert d'argent Western Union, MoneyGram par Mobile Money, Orange Money, plus 225 48 53 45 31, MTN Money, plus 225 46 31 12 20, Move Money, plus 225 02 32 81 45. Merci et que Dieu vous bénisse.
Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, filles et fils du Très-Haut, soyez bénis. Je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. À l'entame de notre prière de ce matin, frères et sœurs, nous allons lancer notre cri de guerre et faire trembler le camp de l'ennemi. Guerrier ou pas guerrier, 2020, c'est mon année de progrès illimité. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons, en commençant notre temps, assainir notre espace physique et spirituel en aspergeant l'eau et le sel prophétique dans les quatre points cardinaux du lieu où nous sommes et pour chasser tout esprit impur et imposer la domination de Dieu, nous allons faire cette prière. Seigneur, lorsque tu as rencontré Moïse au buisson ardent, en Exode 3, verset 5, tu lui as dit d'ôter ses sandales parce que le lieu où tu l'as rencontré était saint. Lorsque tu t'es révélé par ton ange, Michaël, à Josué, en Josué 5, 15, tu lui as dit d'ôter ses sandales parce que le lieu était un lieu sanctifié. Père, le lieu où je commence ma prière ce matin, je le sanctifie. Je sanctifie les quatre coins cardinaux de ce lieu, afin d'imposer dans ce lieu la domination de Dieu et des anges. Je jette le sel dans les quatre coins. Amen. Nous allons maintenant ensemble dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Nous allons nous adresser maintenant ensemble à la Sainte Famille et parler aussi à notre ange. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Bien-aimés, nous allons aussi nous adresser à l'ange Saint-Michel et à tous nos saints patrons qui sont au sein de nos paroisses et de notre ville de résidence, à tous les saints dont on fait la fête, en ce jour. Nous allons leur demander de nous assister dans nos besoins. Ensemble, élevons la voix et nous allons prier en langue pour nous adresser aux saints anges. Koraba shekele baka baba baba baba. Lere baba baba konto lobo shekele bebe 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 bebe. Koraba shekete bebe 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 bebe. Prenons encore notre eau bénite et aspergeons-nous en disant: Mon Dieu, par cette eau prophétique et par le sang précieux de Jésus, mon Sauveur, fais-moi miséricorde. Fais également miséricorde à tous mes parents et à toutes les âmes du purgatoire. Amen. De là où tu es, si tu peux, mets-toi à genoux. Et nous allons faire la prière d'action de grâce pour notre Seigneur qui nous a donné de nous lever ce matin. Ensemble, nous disons, mon Dieu, je t'adore. Je te reconnais comme mon Créateur et mon souverain Seigneur. Je te remercie de tout mon cœur de m'avoir gardé cette nuit. Je t'offre mon repos, mon âme et toutes mes actions de cette journée. Accorde-moi la grâce que mes actions soient unies aux actions de Jésus-Christ et consacrées à ta gloire. Ce matin, je désire poser toutes mes actions selon tes sentiments et tes volontés. Je demande la grâce de vivre cette journée dans une grande sainteté que les journées passées. Et si je dois t'offenser volontairement, ô Père, corrige-moi, Seigneur. Sainte Vierge Marie, toi, ma mère, obtiens-moi la grâce de vivre une journée de sainteté et donne-moi ta sainte bénédiction. Saint Joseph, toi, mon Père, et le protecteur de mon âme, protège-moi. Mon bon ange gardien, Saint Michel, mes saints patrons et patronnes, et vous tous, saints et saintes, dont toutes les églises catholiques, orthodoxes et romaines, célèbrent aujourd'hui la mémoire, secourez-moi dans tous mes besoins
et priez pour moi, afin que Dieu me garde de toute mort subite, de tout accident, de toute noyade, de tout feu et de tout péril, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant annuler les mauvais rêves. La Bible nous dit en Matthieu 18, au verset 18, « Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. » Frères et sœurs, cette parole du Seigneur est claire. Nous allons donc la saisir avec foi et prier ensemble. Seigneur mon Dieu, j'annule et j'interdis tout mauvais rêve que j'ai eu cette nuit. Je déprogramme tout rêve démoniaque et j'interdis leur réalisation dans ma vie. Je lis tout esprit qui m'attaque dans mes rêves et je les consume par le feu au nom de Jésus. J'annule tout mauvais rêve suscité par les sorciers pour me troubler ou m'attaquer. Et je déclare que leur intention soit retournée contre tous mes ennemis et contre tous les sorciers qui en veulent à ma vie au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons maintenant prendre notre temps de repentance en ce matin. Nous allons descendre au fond de notre cœur. Et nous allons nous appuyer sur le texte de 1 Jean, le chapitre 2, le verset 1. Mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père, c'est Jésus-Christ le Juste. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier. Amen, bien-aimés, confiant au pardon de notre Père Céleste, demandons pardon pour tous nos péchés. Ô Dieu, je te demande pardon de t'avoir offensé. Pardon d'avoir offensé mon prochain, mon mari, mon épouse, mes enfants, mes parents, mes amis et collègues. J'ai manqué d'amour, de tolérance et je me suis énervé. J'ai eu des pensées impures, des paroles et des actes impurs. Seigneur, prends pitié de moi, car toi seul peux me transformer et me sauver. Je t'en supplie. Fils de David, aie pitié de moi, pécheur. Près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère, mon Dieu. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant prier pour les intentions. Toutes les intentions que vous portez, toutes les intentions de vos cœurs. Nous allons prier le Seigneur pour toutes ces intentions en nous plaçant sous le manteau original de notre papa Abba Achia, pas comme Marie, et agissant dans son onction, croyez et recevez déjà en esprit l'exaucement de votre prière. Et vous allez voir ces choses s'accomplir. Nous allons prier pour les célibataires en nous appuyant sur le texte de Genèse chapitre 2 au verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Ô Dieu, Dieu de mon salut, au nom de Jésus, que tout lien qui empêche tes enfants de rencontrer leur âme sœur soit brisé et détruit. Toute alliance faite avec des génies, des esprits des eaux et toute autre entité satanique est brisée et détruite et remplacée par l'alliance du sang précieux de Jésus, qui les libère définitivement et totalement. Je déclare que tout ce qui s'oppose à ton plan de bonheur dans leur vie, tout ce qui s'oppose à leur mariage, explose au nom puissant de Jésus. Père, que leur âme sœur entende la voix du prophète
et qu'ils viennent à eux maintenant au nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il. Bien-aimés, prions ensemble pour tous les couples en difficulté. Nous allons pour cela nous appuyer sur le texte de Matthieu, chapitre 19, au verset 6. Ce texte, la Bible nous dit ainsi, « Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Je vais lever les mains et recevoir la prière. Tout sorcier ou confrérie de sorciers qui a décidé de mettre fin à votre mariage, je les disperse par le feu et le tonnerre au nom de Jésus. Tout autel satanique qui parle contre votre mariage, je réclame le feu du Saint-Esprit, qu'il descende et consume ces autels en cendres. Par le sang de Jésus, j'annule tout autre sacrifice, quelle que soit sa nature, qui a été fait contre votre mariage. Je brise toute alliance ancestrale qui réclame votre mariage au nom puissant de Jésus. Que l'ange de Dieu, chargé de garder votre mariage, combatte tous vos combats et que la bénédiction de multiplication, de domination et de prospérité s'attache à vos vies, à votre couple et à toutes vos affaires. Réponds Amen, bien-aimé, et reçois les ossements de tes prières. Nous allons maintenant ensemble prier pour l'enfantement. Et nous allons nous baser sur ce merveilleux texte de Marc 10 au verset 27. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Bien-aimé, toi qui m'entends ce matin et qui es dans l'attente de l'enfantement, je veux que tu sois imprégné de ce verset, que tu t'imprègnes de ce verset, et particulièrement du « car tout est possible à Dieu ». Je veux que ta foi se colle à cette phrase et que tu ne considères rien d'autre que cette réalité. Tout est possible à Dieu. Frères et sœurs, j'ai moi-même expérimenté la toute-puissance de Dieu dans mon mariage après pratiquement 10 ans d'attente et de toutes sortes d'épreuves. Dieu nous a fait grâce, mon épouse et moi, et nous a donné un très beau garçon. Au moment où on ne s'y attendait pas du tout, bien-aimé, je t'invite donc à demeurer dans la foi. Et pendant que nous prions, reçois ton enfantement, reçois les ossements de tes prières. Père Tout-Puissant, par la puissance de ta parole, je m'élève contre toute forteresse d'incrédulité qui s'est consolidée dans l'esprit de tes enfants à cause des diagnostics des médecins et des raisonnements humains. Et je renverse ces forteresses au nom de Jésus. Je lève l'épée de la parole de Dieu contre tous les ennemis de leur enfantement. Que l'ange de l'Éternel les poursuive et que leur chemin soit sombre et glissant et qu'ils relâchent l'enfantement de tes enfants au nom puissant de Jésus. Par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, la Théotokos, la Mère de Dieu, je déclare que parmi tes enfants qui entendent ma voix et qui sont connectés à cette commission, je déclare qu'il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte au nom de Jésus. Bien-aimé, dis Amen très fort et reçois ton enfantement au nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant prier contre le chômage. Et nous allons nous appuyer sur le psaume 90 au verset 17. Que le Seigneur notre Dieu nous accorde sa faveur. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Père très bon, au nom de Jésus, j'envoie la foudre et le tonnerre contre tout sorcier, tout homme fort, tout esprit démoniaque qui s'oppose au travail de tes enfants.
que le feu du Saint-Esprit consume toute main satanique ou voile satanique qui a caché leur CV, leur demande d'emploi, leur dossier. Je commande à l'ange de cette commission de faire ressortir leur dossier et de leur obtenir la faveur des employeurs au nom de Jésus. Je déclare que tel le lever de ce jour, la gloire de l'Éternel se lève sur chacun d'eux. La lumière de leur travail paraît au nom de Jésus, ainsi soit-il. Bien-aimés, nous allons maintenant prier pour la promotion. La Bible nous dit en Ésaïe 52 au verset 13, « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Prions ensemble. Père Tout-Puissant, j'oppose le feu du Saint-Esprit à tout ce qui s'oppose à la gloire et à la promotion de tes enfants. Je démantèle et je renverse tout complot qui a pour objectif de les limiter et les maintenir à terre. Que l'épée de ta parole casse les chaînes de limitation, de non-accomplissement et de perpétuel recommencement dans leur vie. Je déclare que la gloire du Seigneur vous élève et que vous montez de plus en plus haut, de promotion en promotion, au nom puissant de Jésus. Prions maintenant pour les affaires. Et nous allons nous appuyer sur le texte du Deutéronome 28, 12. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste, pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreux peuples et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. Bien-aimé, tu vas ouvrir les mains et tu vas recevoir les ossements de tes prières. Père très bon, ouvre les écluses des cieux et déverse ta bénédiction sur tes enfants en ce matin. J'envoie maintenant d'un vol rapide les anges de la bénédiction et l'archange de cette commission pour leur obtenir la faveur et les marchés qu'ils désirent. Que l'ange se saisisse de cette parole et les fasse prospérer à tous égards. Je déclare que la faveur de Dieu s'attache à vos affaires, ainsi soit-il. Bien-aimés, nous allons maintenant prier pour les finances. À ce sujet des finances, notre Père nous a toujours enseigné qu'il ne s'agit pas de trop prier ou trop crier, mais surtout agir. À cet effet, notre Père nous a associés à cette grande œuvre de Dieu, qu'est la construction d'Ashialand. Bien-aimé, je t'exhorte donc à pouvoir participer à la construction d'Ashialand, à pouvoir emmener ton taureau afin de pouvoir te joindre à ce sacrifice et que ce sacrifice puisse impacter tes finances et que la bénédiction qui repose sur cette commission repose aussi sur tes finances. Nous allons nous appuyer sur le psaume 23, au verset 1 qui nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ô Père très bon, je me lève dans le monde spirituel et j'attaque par le feu tout esprit de pauvreté alimenté par l'ignorance et la peur attaché à la vie de tes enfants. Je lis ces esprits et je les chasse de leur vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'abondance remplace le manque dans leur esprit et dans leur vie. J'attache à leur vie la bénédiction du Seigneur qui n'est suivie d'aucun chagrin et qui les enrichit au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, pour tous ceux qui veulent voyager, nous allons prier en nous appuyant sur le psaume 121 au verset 8.
L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Père Tout-Puissant, je me lève dans le monde spirituel et j'indique l'archange Michel pour les projets de voyage de tes enfants par son épée, qu'il foudra tous ceux qui s'opposent à ces voyages. Je commande que Michel leur obtienne les visas qui leur sont jusqu'ici refusés, car le ciel est à Dieu et la terre à ses enfants. Et nous sommes donc libres d'aller dans tous les endroits de la terre. Je déclare que tous leurs voyages sont sécurisés par la milice céleste dans leur aller et dans leur retour. Au nom puissant de Jésus, ainsi soit-il. Nous allons prier pour l'obtention des papiers pour tous nos frères et sœurs qui sont dans l'attente de leurs papiers. En nous appuyant sur ce merveilleux texte de Proverbe 21 au verset 1, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Au nom de Jésus, que tout pouvoir familial qui combat l'obtention de vos papiers à l'étranger et qui bloque vos bénédictions, que ces pouvoirs soient détruits par le sang de Jésus. Je déclare que toute pierre démoniaque posée sur vos papiers consulaires soit brisée par le marteau de Jérémie. Et je commande que conformément à cette parole, que le cœur des autorités consulaires soit incliné en votre faveur. Je décrète et je déclare que l'ennemi n'a plus rien en vous et que toutes ses œuvres sont vouées à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Bien-aimés, prions ensemble pour la délivrance en nous appuyant sur le texte de Jean, le chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Père très bon, je me lève dans le monde spirituel et je place la vie de tes enfants au pied de la croix de notre Seigneur Jésus. Je brise tout pouvoir de l'ennemi, toutes les réclamations et tout autel familial qui parle contre eux. Je déclare que le sang précieux de Jésus brise tous les liens qui jusqu'ici résistaient. Par le sacrifice de Jésus à la croix, je déclare que vous êtes libérés et que vous possédez la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus, ainsi soit-il. Prions maintenant pour la guérison. La Bible nous dit en Ésaïe 53, 5, « Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Prions, nous allons prier ensemble. Au nom de Jésus et par la puissance du sang de Jésus, je déclare que tout gène de maladie, tout microbe, virus, coronavirus, bactéries diverses, au son de ma voix se désagrègent dans le nom de Jésus. Je déclare que la santé divine contenue dans la vie éternelle que vous avez reçue détruit toute maladie en vous et s'installe définitivement au nom de Jésus. Toute maladie dite incurable est guérie maintenant au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu peux maintenant constater ta guérison au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Merci d'être resté avec nous et nous confions ce temps au Seigneur Tout-Puissant. Très bonne journée à tous et que Dieu nous bénisse. Amen.
Let it all